Ah, c'est magnifique. Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, bienvenue au potager qui dit non. Si comme moi vous aimez observer les oiseaux, peut-être que vous aimerez aussi les accueillir dans votre jardin. On est fin novembre ici, le moment des plantations est arrivé, en particulier en ce qui concerne les racines nues. Et je vous propose dans cette vidéo de comprendre quels sont les besoins élémentaires des oiseaux, en tout cas les plus fréquents, ceux qu'on rencontre facilement dans les jardins, et comment aménager votre espace, si toutefois vous le souhaitez, de manière à le rendre le plus accueillant possible pour ces oiseaux, qui, je le rappelle, sont de précieux auxiliaires. Allez, on en parle tout de suite. Avant toute chose, il faut comprendre que même les tout petits espaces peuvent intéresser les oiseaux et il serait vraiment dommage de renoncer à aménager son jardin de manière à accueillir les oiseaux correctement sur l'argument que le jardin est trop petit. Ça serait vraiment, vraiment dommage encore une fois. Alors on va essayer d'appliquer quelques grands principes, hein. Il y a des lieux communs quand même aux jardins qui se voudront particulièrement accueillants pour les oiseaux. Tout d'abord, évidemment, on va renoncer à l'emploi de pesticides, hein. Ça, si c'est pas déjà le cas, évidemment, c'est quelque chose qui me semble important. On va essayer d'avoir une structure étagée. Alors, par structure étagée, j'entends pas ce que vous voyez là à l'écran, hein, des jardins voilà, à étage matérialisé ou un peu à l'italienne, hein, c'est pas ça du tout que j'entends par là, c'est simplement d'avoir plusieurs strates, hein, arborées, arborescentes, herbacées, etc. dans le jardin, quoi. On va essayer évidemment également d'obtenir un maximum de biodiversité au sein du jardin, par tous les moyens possibles. Ça passe également par l'emploi d'un maximum d'espèces indigènes. Hein, on sait par exemple que, bon, selon les sources qu'on va trouver, on va pouvoir estimer que 300 à 400 espèces animales différentes sont hébergées par le chêne pédonculé, par exemple, hein, Quercus robur, et c'est environ 200 fois moins d'espèces chez le platane. Voilà, donc les oiseaux vont préférentiellement cohabiter avec des espèces indigènes. J'en profite pour préciser, tout au moins à ceux d'entre vous qui sont dans les Hauts-de-France, je ne sais pas si cette opération a un équivalent ailleurs sur le territoire, qu'il existe une opération qui s'appelle Plantons le décor et qui vous permet d'accéder à des essences indigènes précisément, à des tarifs tout à fait préférentiels. Voilà, il y a un certain nombre de points relais qui vous permettent d'aller chercher les végétaux que vous aurez commandés. Je vous donne en lien le site nécessaire si toutefois vous ne connaissez pas encore cette opération qui dure depuis, je crois, plus d'une vingtaine d'années maintenant. Alors il y a un autre problème par rapport aux oiseaux, ça peut être la pollution lumineuse, bien évidemment en particulier pour les oiseaux nocturnes, les rapaces nocturnes notamment. Il faut vraiment veiller à essayer d'obtenir sur votre espace une réserve d'obscurité, hein, essayer de faire de votre jardin une réserve d'obscurité, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant pour les oiseaux bien entendu, mais également pour les chiroptères. Hein, c'est-à-dire les chauves-souris. Alors ensuite, il faut réfléchir son espace pour les différentes espèces d'oiseaux, selon qu'ils soient sédentaires ou visiteurs temporaires, hivernaux ou estivaux. Je vous en présente quelques-uns parmi les plus courants. Les illustrations proviennent du guide Ornitho Collins et les sons proviennent du site Xenocanto. Tous deux sont des références dans leur domaine. Alors, parmi les oiseaux sédentaires, vous trouverez très facilement l'accenteur mouché, le pinson des arbres, la mésange charbonnière, la mésange bleue, le rouge-gorge familier, le verdier d'Europe, le chardonneret élégant,
le troglodyte mignon, la citelle torche-peau, le pic et pêche, le jet des chênes, parmi les visiteurs hivernants, vous trouverez par exemple le pinson du Nord, le tarin des Aulnes, enfin, parmi les visiteurs estivants uniquement, vous trouverez par exemple la fauvette à tête noire, même si quelques-unes d'entre elles commencent à passer l'hiver chez nous. Le rossignol philomèle, qui est un merveilleux chanteur. Le rouge queue noire, surtout si vous avez une grange ou un garage en proximité du jardin. En fait, l'idée est simple. Proposer un espace qui permette, en plus de l'agrément qu'il vous apporte, de répondre aux besoins essentiels des oiseaux. Boire et se baigner, 5 cm de profondeur maximum, éventuellement une vasque pour bien s'intégrer au jardin, c'est un élément de décor dans le même temps. Pour l'hiver, si vous pouvez disposer d'une arrivée d'électricité à proximité, un abreuvoir chauffant, initialement destiné aux volailles, sera très utile. Manger. Se tenir à l'abri de leurs prédateurs. Et pour certains d'entre eux, nicher bien entendu. Disposer de grands arbres est indispensable aux grimpereaux des jardins, aux pivers, aux piquets-pêches, à la citelle torche-peau et d'autres oiseaux cavicoles. Nous avons par exemple Quercus robur, à grand développement, pas d'exigence de sol, Alnus glutinosa, qui est un arbre moyen, qui va affectionner les sols humides, et dont les fruits, qu'on appelle strobiles, sont remarquablement appréciés des oiseaux. Le Salix alba a un plus grand développement, lui aussi affectionne les sols humides, il est mellifère, il héberge de nombreux insectes. Taillé en têtard ou en trogne, il se creusera de cavités idéales pour les oiseaux cavicoles. Prunus avium, le cerisier sauvage au développement moyen, est assez mellifère, sans exigence particulière au niveau du sol, les fruits sont très appréciés des oiseaux. Crataegus monogyna est un arbre à petit développement qui affectionne les sols secs plutôt pauvres. Sa floraison blanche est parfumée et ses fruits sont eux aussi très appréciés par les oiseaux. Sorbus ocuparia est un autre arbre à la fructification appréciée des oiseaux. Son développement est moyen, il est peu exigeant. Ilex aquifolium, enfin, le hou, a un développement lui aussi moyen, une croissance relativement lente. Il est là encore relativement peu exigeant. Les pieds femelles se couvrent de fruits très très appréciés des oiseaux en automne-hiver. Vous pouvez conserver un arbre mort. Dans certains cas, pourquoi même ne pas importer un arbre mort dans votre jardin? Le tas de bois conservé dans un coin du jardin est lui aussi un garant de biodiversité. Un coin de pelouse, pourquoi pas? Si cette pelouse est à proximité des grands arbres, c'est encore mieux pour observer le pivert qui apprécie énormément fourmis et autres invertébrés au niveau du sol. Entretenir des haies vives et nourricières. Pourquoi ne pas associer de la ronce à ces si un entretien intensif ne s'impose pas? Voici une petite sélection d'arbustes qui peuvent être très intéressants dans la constitution de haies à destination des oiseaux. Frangula alnus, un arbuste à croissance lente avec une décoloration automnale intéressante et qui produit des baies à destination des oiseaux. Viburnum opulus, un arbuste peu exigeant, avec une jolie décoloration automnale, une profusion de baies rouges très très appréciées des oiseaux, notamment du jaseur boréal quand il descend jusqu'en France. Viburnum tinus, un arbuste persistant qui va redouter les sols trop calcaires. Sa floraison hivernale est suivie de baies bleu-noires, très appréciées des oiseaux également. Je vous recommande le cultivar Gwellian, particulièrement florifère et donc fructifère. Sambucus nigra, un arbuste réellement peu exigeant à la fructification abondante en été. L'épiracanta,
plusieurs coloris pour les baies. Les oiseaux iront préférentiellement vers les fruits rouges, puis les fruits oranges et enfin les fruits jaunes. Cet arbuste persistant est épineux, il est peu exigeant. Ligustrum vulgare, encore un arbuste peu exigeant, à la floraison blanche, suivi de baies noires, très apprécié des oiseaux également. Et enfin Prunus spinosa, un must. Encore un arbuste sans aucune exigence, épineux, qui va former des taillis très protecteurs pour les oiseaux. Sa floraison est blanche très tôt au printemps et ses feuilles attirent de nombreux lépidoptères. Ses fruits régalent les oiseaux dès la fin de l'été. Un peu plus au sud, vous pourrez intégrer à vos haies Arbutus unedo, un arbuste persistant, peu exigeant cette fois encore, à croissance plutôt lente. Il porte en automne ses fleurs blanches et ses fruits rouges en même temps. Ses fruits qui régalent d'ailleurs les oiseaux sont également comestibles pour l'homme. Si vous vous trouvez plus près de la côte, pourquoi ne pas opter pour Hippophaeramnoides, un arbuste persistant, un peu épineux, qui nécessite un sol très drainant. Ses baies oranges sont comestibles et persistent en automne, puis tout l'hiver. Les oiseaux s'en délectent. Attention à bien choisir des pieds femelles car il est dioïque, comme le houx. Les fleurs mâles et les fleurs femelles sont portées par des pieds différents. Si vous en avez la place et si la réglementation locale vous y autorise, n'hésitez pas à intégrer quelques arbres dans les haies arbustives. Veillez à tailler vos haies en dehors de la période de nidification et de manière à préserver la future fructification. Faites pousser un maximum de plantes grimpantes en exploitant tous les supports potentiels. Le lierre est la plante la plus intéressante. Il fournit abri pour nicher et nourriture en fin d'hiver à une période critique de l'année. Il y a également les Lonicera periclenum qui, eux, portent des baies rouges. Attirez et maintenez les insectes avec de la biodiversité, pas avec un hôtel à insectes bien sûr. Pour ça, les gazons fleuris sont idéaux. Ils attirent les insectes et donc les oiseaux insectivores. Puis ils régalent les granivores avec leurs graines. Ne pas négliger Dipsacus fulonum ou le cabaret des oiseaux, une bisannuelle qui soulignera le côté sauvage de votre aménagement. Ces fleurs sèches sont visitées par les chardonnerets. Et bien entendu le tournesol, en évitant les fleurs doubles qui produisent moins de pollen. Les graines sont très appréciées, sur pied, puis en mangeoire. À ce sujet, privilégiez le tournesol noir, plus gras et plus nourrissant que le tournesol strié. Un petit tas de pierres peut servir d'enclume à la griffe musicienne, qui régulera la population d'escargots du jardin. Proposez des mangeoires, pas seulement pour l'hiver, même si cette question fait débat. Variez le menu, graines, noix, pommes. Les apports de graisse, eux, sont à réserver pour l'hiver, par contre. Nettoyez très régulièrement la mangeoire pour éviter l'accumulation de graines moisies et autres développements bactériens. Proposez des nichoirs spécifiques après vous être renseigné sur les espèces potentielles. Ils seront placés dans un endroit semi-ombragé, à une hauteur comprise entre 3 et 6 mètres. Les trous d'envol devront être orientés au sud-est. Prévoyez un système de protection du tronc des arbres qui sera vérifié et desserré si besoin chaque année, lors du nettoyage des nichoirs par exemple. Un bac à boue entretenu favorisera l'installation d'hirondelles dans les dépendances ou sous les avancées de toit. Pour plus de renseignements sur ces dispositifs, vous pouvez vous rapprocher de l'association Ornithonature sur leur site ornithonature.fr. Il est facile de poser des planchettes sous les nids pour éviter les déjections sur le sol. Rappelons qu'avec les chauves-souris, les hirondelles peuvent être de bonnes prédatrices de papillons, de pyrales du buis, dont la chenille cause de gros ravages. En outre, une hirondelle est capable de consommer environ 2000 moustiques par jour. Je vous propose ici à titre d'exemple un petit module de plantation qui peut être reproduit plusieurs fois sur un même linéaire. Les arbustes sont assez proches les uns des autres. L'idée est qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres à terme. Hein. Donc cette distance de 80 cm est tout à fait convenable à mon sens. Alors on commence par Ilex aquifolium qui est persistant. Je viens ensuite planter à côté du Viburnum opulus, notamment pour sa décoloration automnale, en plus de ses fruits tout à fait attractifs. On prend un peu de hauteur avec un Sorbus ocuparia ensuite, donc qui est un petit arbre. Je viens ensuite planter un Viburnum tinus, qui en plus d'être persistant, me proposera une floraison hivernale, ce qui n'est pas si fréquent. Ensuite on retrouve un Sambucus nigra, donc je vous rappelle que les fleurs et les fruits sont comestibles de diverses manières. Ça n'intéresse pas que les oiseaux. À côté, je vous propose un Ligustrum vulgare avec des baies qui vont pouvoir
persister très longtemps pendant l'hiver. On reprend de nouveau un peu de hauteur avec un aulne cette fois, l'Alnus glutinosa. Et ensuite, on termine avec un Prunus spinosa, un petit peu brouillon, un petit peu épineux, avec une floraison blanche très très tôt en saison, vraiment intéressant pour ces baies bleu violacé un peu plus tard dans l'année. Cette haie présente l'intérêt d'être à la fois persistante et caduque, d'être arbustive mais quand même avec deux hauteurs représentées par les deux arbres qu'on voit ici en haut plus grand, et d'avoir des floraisons pas toutes en même temps, et des fructifications qui vont être un tout petit peu étalées également dans le temps, quoi. Donc les différents composants de cet aménagement-là vont tenir des fonctions différentes, ou en tout cas des périodes différentes, ce qui est très intéressant. Voilà, j'espère donc qu'avec ces quelques conseils, si vous êtes en phase d'aménagement complet de votre jardin, ou peut-être de réaménagement partiel, pourquoi pas, eh bien vous pourrez orienter plus facilement peut-être ce jardin, cet espace qui est le vôtre, à destination des oiseaux, le rendre très accueillant et pouvoir comme ça à la fois bénéficier de leurs services et puis pouvoir vous livrer à de très belles observations. C'est tout pour cette fois. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.